Article 23. 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder, avec d'autres, des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Cet article énonce les principes fondamentaux du droit du travail. Chacun a le droit de choisir où et comment est-ce qu'il veut travailler. Chacun a aussi le droit de négocier pour des conditions de travail équitables, par lui-même ou au travers de son syndicat, et ça lui permet d'avoir une protection contre le chômage et des conséquences du chômage. Cet article est également relié à l'article 4, relativement à la liberté d'esclavage, dans le sens que personne ne peut être forcé à travailler pour autrui.